le temps ne semble pas avoir de prise sur Riyad Mahrez. Plus les années passent, plus les liens de Manchester City et de l'Algérie semblent se bonifier. À 31 ans, le natif de Sarcelles n'a sans doute jamais été aussi fort, à part peut-être sa saison d'exception avec Leicester. Mais le faire aujourd'hui dans une équipe de Manchester City qui regorge de talent et donc de concurrence est sans doute encore plus épatant. Sous les ordres de Pep Guardiola, Mahrez s'est imposé avec brio sur son aile droite au point de devenir un incontournable du manager espagnol. Première Ligue, Ligue des Champions, Cup, League Cup, Riyad Mahrez a été décisif partout en dépassant la vingtaine de buts, cap qu'il n'avait jamais franchi au long de sa carrière. Longtemps mis en valeur pour sa faculté de dribbleur, Riyad Mahrez a également su élargir sa palette en s'adaptant au jeu de passe des Citizens et en gagnant surtout en efficacité et en précision dans le dernier geste. Double buteur lors du derby face à Manchester United dans l'un des moments forts de sa saison, Mahrez est indiscutablement l'un des hommes forts de la grosse saison de City. Son parcours avec l'Algérie restera bien évidemment l'un des gros bémols de la saison. Mais la préparation bien compliquée de la CAN pour les Fenecs, les terrains qui n'ont pas facilité son expression technique et les conditions litigieuses de l'élimination en barrage de la Coupe du Monde face au Cameroun viennent forcément nuancer ces moments difficiles. Confirmant son statut de joueur phare de Première Ligue et maintenant référence mondiale, Riyad Mahrez est-il le meilleur joueur du monde? C'est à vous de le décider.